Résultat, c'est que tu vas avoir des petites victoires. Et chaque petite victoire, regarde bien, parce que la confiance, c'est comme un muscle. Chaque petite victoire que tu vas avoir va te permettre d'avoir plus de confiance. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va voir ensemble les 5 clés de la confiance en soi. Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement quelles sont vraiment les clés que j'utilise et que ceux qui réussissent utilisent pour pouvoir avoir une réelle confiance en soi. Si jamais tu n'as pas confiance en toi, clairement, tu ne vas rien faire en fait. Et ça marche pour tout, tu vois. Si jamais tu n'as pas confiance en toi, tu ne seras pas capable d'aller voir cette fille que tu vas aller voir. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne seras pas capable de dire « Ok, je peux avoir ce corps-là, donc je peux aller à la salle de sport et pouvoir avoir ce corps-là. » Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas dire « Je vais lancer un business, je vais réussir. » Ok, donc ça, c'est le socle, c'est la base. C'est vrai que peut-être qu'on n'en parle pas assez souvent. Enfin, moi, je n'en parle pas assez souvent peut-être sur cette chaîne-là. Mais c'est vrai que si tu n'as pas confiance en toi, concrètement, tu n'auras pas de résultat parce que tu feras même pas les choses en fait. Ou dès qu'il va avoir un obstacle, tu vas dire « Ah ben, je le savais. » Je savais, c'était sûr que j'allais pas réussir. Je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, indépendant financièrement. Ok, j'ai grandi aux Pyramides à Évry dans 91. J'ai redoublé mon BEP. Ok, et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne sur le saxophone en plus et générer 2000 euros par mois. Donc si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Okay, aujourd'hui, maintenant, je suis libre géographiquement, je peux voyager où je veux, quand je veux. Aujourd'hui, je suis à Montréal. La dernière fois, j'étais à Atlanta, j'étais à Miami. Ok. Tu peux me suivre sur Instagram si tu crois que c'est pas vrai. Donc si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Et mes coachés aussi ont eu des résultats. Donc voilà, les gars, arrêtez de trouver des excuses. T'as tout dans la description pour pouvoir aller plus loin. 5 clés pour pouvoir avoir confiance en toi. Que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. Donc on va voir ensemble la première clé. Première clé, prendre ses responsabilités. Alors tu vas me dire, ouais mais attends, mais c'est quoi le rapport avec les responsabilités et la confiance en soi? T'as rien à voir. Bah si, figure-toi que ça a à voir. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne prends pas tes responsabilités, en fait, tu donnes le pouvoir aux autres. Okay? Donc ça veut dire que la vie que tu as actuellement, bah, c'est la faute des autres. Tu les blâmes, etc. Okay? Alors que quand tu prends ta responsabilité, enfin tes responsabilités, okay, aujourd'hui, si jamais j'ai une relation privée, c'est de ma faute. Si jamais je n'ai pas d'argent, c'est de ma faute. Et bah, du coup, c'est toi qui as le contrôle. Et le fait que tu aies le contrôle, ça va développer chez toi une confiance en toi. Parce que quand tu as le contrôle de ta vie, en gros, que tu prends tes responsabilités, tu vas dire, ok, comment je fais pour pouvoir changer ça? Puisque c'est toi qui as le contrôle. Alors que quand tu blâmes les autres, ça veut dire que c'est les autres qui ont le pouvoir, en fait, sur ta vie. Et du coup, comment tu vas avoir confiance en toi sur quoi que ce soit? Puisque de toute façon, c'est pas toi qui gères ta vie, c'est les autres. Tu vois, par exemple, des fois, quand on vit des choses, on pense qu'avec le temps, ça va s'arranger. Non, le temps n'arrange rien du tout. Tu vois, si ça s'arrange, c'est toi qui vas décider de l'arranger. Ou les gens, par exemple, vont mettre leur confiance dans le gouvernement. Okay, on va prendre l'exemple des retraites. Okay, ils font confiance au gouvernement. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne prends pas tes propres responsabilités? Ok, je vais assurer ma propre retraite. Tu vois. Ou les gens font confiance au livret A. Ils vont mettre l'argent sur le livret A. Pourquoi tu ne fais pas confiance à toi? Tu penses que tu ne peux pas générer plus de... Je ne sais même plus c'est combien maintenant le pourcentage. C'est 0,5 ou 1, je ne sais plus. Ça m'intéresse pas, donc du coup je m'en renseigne pas, mais je sais que c'est très très bas. Mais attends, mais si tu te formes un peu, ou tu places en bourse, ou tu places dans l'immobilier, t'as au moins du 8%, quoi. Ok, donc super important, prends tes responsabilités, c'est toi qui as le contrôle de ta vie, prends tes responsabilités et tu verras la confiance déjà, elle va monter. Deuxième clé, c'est de faire des affirmations. En fait, aujourd'hui, on est le produit de ce que l'on se dit continuellement dans la tête. Okay. D'une part, et aussi de tout ce que l'on t'a dit depuis que tu es tout petit, donc tes parents, ton entourage. Okay. Donc aujourd'hui, tes croyances régissent en fait ta vie d'aujourd'hui. Et tes croyances sont liées à ce que l'on t'a répété depuis tout petit et ce que ton entourage t'a dit depuis tout petit. Okay. Donc maintenant, tu me dis, ok, mais c'est quoi le rapport avec les affirmations? Les affirmations font que c'est comme si, depuis tout petit, en fait, on t'a affirmé des choses et que tu te les répétais. Okay. Et donc, si tu n'as pas de résultats dans ta vie, c'est que tu te dis les mauvaises histoires, les mauvaises croyances que tu as ne te permettent pas d'avoir des résultats dans ta vie. Donc, il va falloir les changer. Il va falloir les changer parce que, par exemple, la personne qui est riche ne pense pas comme toi, n'a pas les mêmes affirmations. Un exemple, toi tu vas dire, tu vas avoir une vidéo sur YouTube, quelqu'un qui propose une formation peut-être pour créer son business en ligne, tu vas dire ça c'est de l'arnaque, c'est n'importe quoi, je le sais, ça se saurait si jamais c'était possible. Mais ça se saurait, c'est basé sur quoi? Sur ce qu'on t'a dit depuis tout petit.
d'accord, ou ce que les gens pensent autour de toi, ok. Alors que moi, je vends une formation en ligne, si jamais j'ai besoin d'avancer, je vais acheter la formation en ligne, boum, je passe à l'action, tu vois. Je suis même pas en train de me dire est-ce que c'est de l'arnaque ou je sais pas quoi, ok. Pourquoi? Parce que dans mon entourage, je connais énormément de personnes qui ont des gros résultats et qui se forment continuellement, qui achètent des formations en ligne, etc., qui prennent des coachs, etc. Donc pour moi, c'est de la logique en fait, c'est juste ma normalité. Et du coup, comme c'est ma normalité, j'ai des résultats dans ma vie. Ok, donc c'est pour ça que c'est important de faire des affirmations tous les jours pour que tu puisses dire ok qui tu es exactement. Ok, donc du coup tu auras beaucoup plus de confiance quand tu vas affirmer les choses qui tu es. Je sais pas moi, si tu veux être multimillionnaire, répète-le-toi tous les jours. Ok, je suis multimillionnaire, c'est possible, je suis déterminé, je suis persévérant, tout ce que tu veux. En fait, affirme vraiment tout ce que tu veux pour intégrer des nouvelles croyances. Ok, c'est possible de pouvoir devenir riche en partant de zéro. Si jamais tu as une fausse croyance qui dit ouais, c'est pas possible, parce que depuis tout petit, tu as toujours dit ça, tous les gens autour de toi disent mais là, c'est pas possible, les gens qui sont riches, c'est par hasard, c'est la chance, ou c'est des voleurs, etc. Il faut que tu t'enlèves tout ça. Et quand tu vas mettre des bonnes affirmations, tu auras des résultats dans ta vie et tu vas avoir confiance en toi. Donc, évidemment, fais aussi des affirmations pour la confiance en soi. Tu vois. Troisième clé, passer à l'action massivement en faisant des petites actions. Tu vois, ça veut dire quoi des petites actions? Ça veut dire que ça va être des petits challenges qui ne vont pas être trop difficiles pour toi, qui ne vont pas te faire sortir de ta zone de confort de manière trop exagérée, tu vois. Donc du coup, tu seras plus propice à passer à l'action et à gérer ces challenges-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'à force d'avoir des petits challenges pour pouvoir te permettre d'avancer, le résultat, c'est que tu vas avoir des petites victoires. Et chaque petite victoire, regarde bien, parce que la confiance, c'est comme un muscle. Chaque petite victoire que tu vas avoir va te permettre d'avoir plus de confiance, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vas avancer, tu vas avoir plus de confiance. Tu vas dire, ok, mais si j'ai pu faire ça, peut-être que je peux faire ça. Et tac, tu vas avancer comme ça. Tu vas dire, prochaine victoire que tu auras, tu dis, ok, si j'ai pu faire ça, je peux faire ça. Boum, 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 boum. Et tu vas enchaîner comme ça les challenges. Et à un moment donné, forcément, ta confiance, elle va augmenter. Tu vois, ça me fait penser à moi quand j'ai fait mes études d'infirmier. Tu vois, alors que sache qu'à la base, moi j'ai fait un BEP. Hein. J'ai fait un BEP, j'ai redoublé mon BEP. Okay. Donc je pourrais avoir des fausses croyances. Ouais, je ne suis pas fait pour les études. C'est pas pour moi. Nanani. J'aurais pu avoir des trucs comme ça. Et en plus, c'est ce que ma mère elle me disait. Après, je peux pas lui en vouloir parce que c'est ce que je lui ai montré. En tout cas, c'est l'image que je lui ai montré. Donc du coup, ce qui s'est passé, donc j'ai repris mes études pour être infirmier. Et pour que je puisse être confiant, pour me dire que je peux réussir à être infirmier, enfin à réussir dans les études d'infirmier. C'est parce qu'avant j'étais pompier de Paris, enfin j'étais électricien chez les pompiers de Paris, mais tu dois passer des tests pour être pompier de Paris avant tout pour pouvoir être après électricien chez eux. Et quand t'es militaire en fait, t'as des grades à passer, tu vois. Et ils te font apprendre des trucs par cœur, mais de ouf, mec. C'est des gros livres comme ça, on comprend pas à quoi ça sert, quoi. Mais bon, en tout cas, tu dois les apprendre par cœur pour pouvoir passer tes grades. Il y a une sorte de petit concours interne. Donc, tu vois, et donc, du coup, j'avais appris tout ça. Je pensais même pas que c'était possible. Mais du coup, comme j'étais dans l'entourage où tout le monde apprenait que c'était normal, moi, je me suis dit, c'est normal d'apprendre tout un gros truc comme ça. Ça s'appelait des BSPP. Des BSP, je crois, plutôt. Ouais. Où tu devais tout apprendre. Et j'apprenais des gros trucs comme ça, mais par cœur, quoi. Et en plus, je réussissais pas les examens. Enfin, c'est plus que j'avais pas les notes suffisantes pour pouvoir être gradé, quoi. Donc du coup, en plus, je réussissais pas, tu vois. Mais ça m'a donné une confiance parce que je me suis dit, waouh, si je peux apprendre tout ça, le truc d'infirmier, mais c'est rien, ça. Donc tu vois, donc cette petite victoire, boum, après, je suis arrivé en tant qu'infirmier, j'ai commencé les études d'infirmier. Tac, j'ai commencé les études d'infirmier, tac, j'ai appris les trucs normaux. Tu vois, après, pour moi, c'était pareil que les trucs des BSP, sauf que là, au moins, à la fin, j'ai un diplôme, tu vois. Donc j'apprenais les cours et je me suis même dit, mais attends, mais à ce niveau-là, pourquoi pas faire docteur? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que petit à petit, à force de passer à l'action et d'avoir des petites victoires, quand j'étais infirmier, que je faisais des études d'infirmier, que je voyais que je validais mes examens normaux, alors que je suis un gars du BEP, tu vois, je me suis dit, autant faire aussi docteur, quoi. Je peux faire aussi docteur si je veux, en fait. Tu vois? Donc j'avais la confiance pour me dire, si je veux, je peux faire docteur aussi. C'est la même chose, en fait. C'est juste à apprendre par cœur et c'est tout, quoi. Tu vois? Donc, tout ça pour te dire qu'à force que tu passes à l'action, petite victoire en petite victoire, ça te permet de développer une confiance en toi. Alors que c'est sûr que si jamais j'étais sorti de BEP et que j'étais parti directement, je dis, vas-y, je vais être docteur. Bon, c'est trop gros, tu vois. Le premier examen, je me serais fait gifler, j'aurais dit, non, c'est pas vrai, en fait, je suis un gars du BEP, tu vois ce que je veux dire? Donc, petit à petit. Quatrième clé, faire des choses qui soient alignées avec tes valeurs. Alors, pourquoi c'est important? Par exemple, si jamais tu fais des choses qui ne sont pas alignées avec tes valeurs, ce qui va se passer, c'est que tu ne seras pas bon dans ce que tu fais. Et comme tu ne seras pas bon, tu vas te dire, ah, mais je ne suis pas bon dans ça.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important que lorsque tu fais tes choix, il faut vraiment que tu regardes par rapport à tes valeurs, ce que tu aimes ou pas. Tu vois? Est-ce que vraiment, si jamais tu n'es pas efficace dans un travail, c'est parce qu'en fait, le travail, ce n'est pas toi qui es nul. C'est juste qu'en fait, ce n'est pas adapté à toi, en fait. Tu vois? C'est comme si tu étais un poisson, mais on te dit de monter dans un arbre, tu vois? Peut-être. Tu vois? Donc, c'est pour te dire que peut-être que si jamais on t'avait mis dans l'océan et qu'on t'avait d'aller là-bas, ben, tu aurais réussi facilement. C'est juste que des fois, ce n'est pas adapté à toi. Ce n'est pas que tu n'es pas bon, c'est juste que tu n'es pas dans le bon poste. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir un petit peu ses forces, ses faiblesses. Qu'est-ce que tu aimes, dans quoi tu es aligné avec tes valeurs, et tu verras que tu vas exceller ben, quand tu auras trouvé vraiment ben, l'endroit où tu es à l'aise, le droit où tu es aligné avec ce que tu aimes, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ses choix, c'est pour ça que c'est important de prendre des décisions et être aligné avec. Cinquième clé, c'est de savoir dire non. Tu vas dire, attends, c'est quoi le rapport avec savoir dire non et la confiance en soi? Ben, tout simplement que quand tu vas dire non, ça te permettra de dire oui à des choses qui vont t'intéresser. Ça va permettre de t'affirmer aussi et d'affirmer réellement ce que tu veux dans ta vie. Parce que quand tu vas dire non à quelque chose ou à quelqu'un, c'est parce que tu vas dire oui à toi pour autre chose. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'as raison, c'est pas pourquoi. Mets-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, t'as tout en description, enfin dans le commentaire épinglé, c'est une formation offerte. Si t'es coach consultant, t'as une masterclass où je te montre exactement les stratégies pour atteindre les 5 chiffres par mois rapidement. Je te montre exactement comment mes coachés ont fait pour pouvoir le faire. Donc les gars, vous avez tout en description. Il n'y a pas d'excuses. On est déterminés et on lâche rien.